Hello, je viens vous montrer l'album que j'ai fait. Je viens vous le présenter en vidéo et vous montrer tout comment j'ai fait. En fait, ça sera pas un tuto, mais je vais vous expliquer. Donc, j'ai utilisé la collection Mère Enchantée. Ces deux tampons-là et les autres de la collection que je n'ai pas personnellement. Donc, voilà. Ces deux-là d'office. Les autres, Valérie m'avait fait les tamponnages. Donc, voilà. J'ai utilisé aussi. Ici, de la page Freestyle, j'ai utilisé celui-là, 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 celui-là. Et je pense que j'ai même un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là. Mais juste pour l'effet maille et ici, l'effet bubule, on va dire craquelé. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pioché dans les autres planches de tampon. Valérie avait sorti cette planche-là et une autre avec un grand papillon. Je ne sais plus le nom de la planche. Par cœur, désolé. Donc il y avait une autre petite comme ça qu'on a échangé avec d'autres membres de l'ADT. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé le petit soleil. J'ai utilisé le petit flacon là. Voilà, ça. Et quoi encore d'autre? Ah oui. Et ça aussi. Attendez, hein, je vais chercher. Quand on prépare pas tout pour les choses, hop là, attention, je vais trouver. On y arrive. Hop là, ici j'ai utilisé la petite cagette, juste la petite cagette. Voilà tout ce que j'ai utilisé. Le reste, j'ai utilisé des pochoirs de plein de marques différentes. Mais plein. Alors, j'ai utilisé les petites taches et les petites bulles d'alcréate. J'ai utilisé celui-là de Crafoclock. Non, ça c'est pas pour celui-là. J'ai utilisé ceci, les petites bulles d'un autre alcréate. Ça c'est pour un autre. J'ai utilisé ici tout ce qui était Sean et l'effet filet de TCW. Voilà, ça peut ça plus ta bande ici, c'est tout. Voilà. Alors, en fait, là-bas, c'est très simple. Vous avez un bateau qui, en fait, est votre fermeture. Voilà. Vous avez deux voiles qui sont créées en papier aquarellable. Vous avez le mini album qui est là, qui est créé en papier aquarellable. Ici, c'est la même chose. C'est du carton que j'ai peint, que j'ai recouvert de papier. Et puis, je suis venue jouer en faisant avec mon pioir des lignes dedans pour créer l'effet bois. Le reste, j'ai retravaillé avec mes wax. Personnellement, qui a dans le mixed media, j'ai dû mettre un petit peu de trucs. Alors, ici, ça, c'est la peinture Shell de Mintet. La Mint. Elle est là, elle est sous ma main. Voilà. C'est la mine, la brise. Voilà. Elle est superbe. Un superbe bleu, je trouve. Voilà. Ceux qui me connaissent ça, vous, je me procure cela, n'est-ce pas? Ici, pour les bleus, j'ai utilisé l'ultramarine et un petit peu de turquoise. Tout simplement. La petite encre, j'ai utilisé avec de la peinture acrylique bête en argenté. Tous les tampons sont colorisés au crayon aquarelle. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ici, j'ai fait le bord avec la vintage, la walnut stain, pardon, en oxyde. Et un petit peu de vintage par endroit. Donc, j'ai vraiment joué ces deux couleurs. Donc, je suis passée avec la vintage plus large et avec la walnut vraiment pour marquer les bords. Tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non. Ah oui, ça. J'ai utilisé le tampon avec tous les mots de la petite française. Et chaque fois venu entourer le mot qui me plaisait, qui représentait le fait qu'on allait mettre une photo là, tout simplement. Voilà, les mots, ben, j'ai pris partout sur toutes les planches. J'ai pris sur la même planche mots. J'ai pris sur toutes les planches qu'il y avait dans les différentes planches de tampon.
Ici, le nom du bateau, ben, ça fait partie de la collection Mère Enchantée. Vous voyez, c'est ce tampon-là. Voilà. Parce qu'en fait, il est dans l'autre sens. Ici, il est mieux. Moi, je les ai laissés les deux ensemble. Mais bon, voilà. Le filet, c'est du fil de lin. Bêtement. Vous voyez, je suis partie de ça. Et j'ai fait des petits nœuds. Vous faites comme un croisillon, comme ça. Et vous faites chaque fois un nœud. Donc vous passez en dessous. Et vous faites un petit nœud, tout simplement. Ça va bouger. Hein. Voilà. Et vous continuez comme ça. Pour faire des croisillons. Et vous obtenez le filet. J'ai chaque fois fait deux nœuds. Donc après, j'ai refait la même chose. J'ai repris. Hop. Et un petit nœud. C'est un petit jeu de patience, mais ça donne toujours bien et ça coûte pas cher, comme je dis. Voilà. Vous avez un début de maillon qui est fait. Donc ici, je l'ai passé dans la fermeture. Je vous montre. En fait, je suis venue mettre une perle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Pour garder l'épaisseur. Ces voiles-là sont collées sur la structure. Ces voiles-là vont se retirer. Je vous montre. Je tourne là parce que mon bureau est très petit. Voilà. Donc vous avez la base qui est votre fermeture et vous voyez bien la perle. Vous avez vos deux premières voiles, les petits décors du bateau. Et là, vous avez réellement le mini-album. Donc en fait, vous pliez des pages en deux et vous venez tailler des voiles dedans, de différentes tailles, tout simplement. Je suis partie de la plus grande pour arriver vers la plus petite. Vous pliez en deux et vous obtenez le premier carnet. Ici, vous obtenez ce carnet-là. Ici, la grande voile derrière, elle est toute seule. C'est juste un bord que j'ai plié. Avec un petit rabat. D'ailleurs, ici, vous voyez encore le rabat. Donc ça, j'ai un carnet avec beaucoup de photos d'un côté. Et j'ai ma structure dure qui me sert de base et qui me sert à mettre une et deux photos. Et chacun est collé d'un côté. Ici, c'est la même chose. J'ai mis deux fils de lin ensemble. J'ai fait les petits nœuds. Et je suis passée parce que je trouve ça plus joli. Pour relier ça ici au bâton. J'ai fait un trou supplémentaire au-dessus pour que ça tienne bien. Donc s'attacher par trois morceaux. Maintenant je vous montre le mini. Donc j'ai d'abord travaillé mes fonds avec les pochoirs, avec des tampons. Puis je suis venue mettre mes embellissements. Je suis restée avec trois couleurs, on va dire, pour les fonds. J'ai fait du orange, du bleu et du jaune. C'est tout. Les bleus, j'ai pris un clair, un foncé. Donc vous voyez ici les petits cajots. Qui étaient sur l'autre tampon, ils sont là. Le petit soleil de l'autre tampon, il est là. Tout le reste, c'est de la collection Mère Enchantée. Ici, la même chose. Tout est de la collection de la Mère Enchantée, sauf les petits hippocampes. Ils sont sur la page freestyle. Ici, vous voyez mon pochoir que j'ai utilisé. Vous voyez, il est là, derrière. J'ai utilisé en vintage. Voilà, tout simplement. Ah bah si, j'ai utilisé l'autre pochoir avec une petite bouboule. Donc j'ai vraiment pris dans tous mes pochoirs tout ce que j'avais qui faisait mer. Ça, c'est un pochoir Graffiti Girl. Je ne l'ai pas avec, je suis désolée, c'est ma caravane. Mais c'est le pochoir Graffiti Girl que j'ai fait avec la Distress Oxide. Parce que tous mes fonds sont faits à la Distress Oxide. Hein. J'ai d'abord mis un petit peu d'aquarelle sur un film plastique, je suis venu pitcher de l'eau et puis appliquer. Et puis je suis revenu avec mes pochoirs par au-dessus et mes tampons. Donc tous mes embellissements, vous voyez, ça c'est la petite bouteille que je vous parlais de l'autre page, de l'autre planche de tampons, pardon. J'ai voulu vraiment super colorer, là aussi, petite bouteille, qui était de la page freestyle aussi. Freestyle, non pas freestyle, pardon, je me trompe là. Fleur de vie, pardon, c'est l'autre collection. Alors ici, les petites méduses. Vous voyez, les méduses. En fait, j'ai retourné
les ai mis comme ça pour faire comme des coquilles, comme des petits coquillages. Donc ils sont dans l'autre sens. J'ai juste découpé, détouré autrement. J'ai pas fait des, j'ai pas tamponné cette partie là, bêtement. Partout vous savez mettre les photos en dessous. Hein. Moi vous savez je ne colle jamais. Hein. Partout on glisse les photos en dessous. Voilà. Ici c'est la même chose. Les gens mettront les photos comme ils veulent. Hein? Voilà. Ici j'ai fait une double coquille Saint-Jacques. J'ai fait comme si le. J'ai retourné carrément. J'ai utilisé comme ça le tampon. Et ici j'ai utilisé dans le bon sens. Pour créer toute une salle avec des méduses. Et ici faire une petite coquille Saint-Jacques qui s'ouvre avec un petit hippocampe qui sort. J'ai vraiment fait les petites scènes partout. J'adore faire les petites scènes partout. J'aime bien raconter une histoire dans mes albums, personnellement. Ça, c'est une planche de tampon de la même collection. Mère enchantée, mais que je n'ai pas, mais que Valérie m'a tamponné. Comme la sirène, il y a 4-5 planches de mémoire. Voilà, le gros coquillage aussi, ça fait partie d'une autre planche. Ici, vous voyez ça, c'est ce gros tampon-là, mais j'ai découpé en deux. J'ai pris une fois cette partie-là, j'ai pris une fois cette partie-là. N'oubliez pas, les tampons, ça peut scinder en plusieurs morceaux, hein. Ça ici c'est la même chose. Vous voyez là, c'est celui-là. Là ici l'étoile, juste avant, elle est où? On est passé avant. Je lui montre avant. J'ai glissé la photo en dessous. Je suis sûre que je vais montrer, vous les montrez avant. Aïe aïe aïe. Enfin, j'ai glissé la photo en dessous, non? Je viens folle, les filles. Mon mari serait là et mes enfants diraient oui, oui. Ah, il est là. Je suis pas tout à fait folle. Vous voyez, là, j'ai utilisé que cette fleur-là, celle-là et celle-là pour mettre derrière. Ça, c'est d'une autre planche aussi de la collection. Voilà. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Ça, c'est une petite étiquette de la collection Alice. J'ai le temps, je peux vous la montrer. La petite étiquette. Hop, c'est pas ça. Non, c'est sur celle-là. Voilà, la petite étiquette là. C'est Pays Merveilleux, là, le nom de la collection. C'est sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Bien, j'ai récupéré vraiment de toutes les planches et j'ai fait un gros mélange. Voilà, donc vous voyez, chaque fois découpé, j'ai d'abord fait les grandes, j'ai fait d'abord ces deux grandes là, et puis j'avais les chutes et j'ai commencé à plier pour faire les petits carnets. Le carnet en lui-même est relié juste par ici, la couture, tout simplement. Ici, j'utilisais le tampon comme ça, et puis je l'utilisais comme ça, sur les fonds. Voilà. Là, vous voyez, il y a un tampon plage, océan, rêve. C'est cette planche-là, moi, je les ai laissées ensemble. Et donc, vous avez le bord qui se fait. Et bien, j'ai continué le bord. J'ai vraiment appuyé bien pour avoir le bord et pour avoir... comme si c'était une étiquette, ça. J'espère que ça vous plaira. Je vous ferai des photos. Je vous le présenterai en plusieurs fois pour bien vous montrer tous les détails. Voilà la merveilleuse sirène, ici je l'ai mis dans l'autre sens, elle va chercher, récupérer un petit coquillage, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous ferai des photos, on va faire plusieurs posts sur cet album-là avec Valérie, donc voilà, bisous.